Bienvenue dans cette présentation de MAP, la Midwest Horizon. Le mode saison fonctionne. Comme toujours, les liens vont être en description en dessous de la vidéo. Ça fait longtemps que cette map est sortie. C'est juste que j'ai pas fait de présentation de la map. On va la faire. Je la connais parce que j'ai joué dessus. C'est quand même une grande map, il y a plus de 120 champs, je pense, si je me rappelle bien, 127 champs. Puis vous vous installez où ce que vous voulez sur la map, il y a ce petit coin là. Moi je ne m'ai jamais installé là, je m'installais tout le temps dans le coin 5, là, dans le champ 5, j'étais proche du magasin. Les champs sont moyennement grands. Après ça, il y a du bois. Tralala. Il y a tout le tralala. C'est quand même une belle map. Vous pouvez commencer ici. On peut commencer ici. Une petite ferme. On va se mettre mode vol. Les champs, vous dites tout de suite, sont grands. On est très grands. Pour faire de l'agriculture, c'est quand même bien. Les petits champs, c'est sûr que si vous prenez cette ferme, vous commencez avec des petits champs. J'ai pas continué à faire de partie dessus parce qu'il m'est arrivé une mésaventure. Je l'avais mal, faut tout le temps bien fermer le dossier. Puis j'avais mal sorti un peu. Je trouvais ça choquant de recommencer. J'étais rendu assez loin parce que moi, je ne triche pas sur mes parties. Je triche pas sur les parties. Alors, je recommence tout le temps à zéro, puis c'est ça qui est ça. On fait un petit tour des points de vente. Le mode précision ne marche pas sur cette map-là, Maïs Plus, il n'y a rien qui marche. Il y a possiblement qu'il va y avoir une nouvelle version de cette map qui va sortir, parce qu'elle est en libre droit. Il devrait avoir, je m'avancerai pas, mais il devrait avoir des mises à jour sur certains dossiers. Hein. Le nombre de points de vente, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 points de vente. Après ça, le matériel, je pense qu'on en a un peu. Ouais, on a un peu. Pour débuter, se faire un peu de sous, comme on dit. Le 8400R John Deere, le 7270R John Deere, le Warrior, la 560 John Deere, un petit pick-up, une benne, une remorque plutôt, un transbordeur, les barres de coupe. Le Tiger, le Horsch, la maison, puis l'engrais. C'est pas mal tout ce qu'on a pour commencer. Moi, j'adore cette map-là. J'ai même repensé de refaire une partie sur cette map-là. Mais, en fin de compte, j'ai cancellé le projet. On a plusieurs points de vente. On va souvent ici. Le Copper. Ce coin de vente là. On va monter. Montre un peu en hauteur, on fait un peu de bruit, on s'en est éloigné un peu. Quand même, belle map, très jolie map. Des champs moyens, des petits. Ça a quand même du sens. Il n'y a pas 50 points de vente. Ils sont pas mal tous concentrés. C'est pour ça que je vous disais tantôt que je m'ai installé au champ 5. Plus parce que je m'avais installé sur le champ 5, comme ça en étant sur le champ 5, ben, je pouvais agrandir avec le champ 86 en herbe et tout. Puis la plupart des points de vente sont ici. Les autres, l'autre point de vente est ici, à Cooper Farm. Il y a juste les animaux là, qui restaient à aller. Les champs sont. Ça a de l'allure. En tout cas, moi, c'est une belle map. C'est juste parce que je ne l'avais pas présenté. Puis je voulais vous la présenter. Après ça, on est souvent ici pour vendre. Bien les amis. Très belle map, si vous voulez jouer sur une belle map américaine, c'est sûr qu'elle est planche, il y a des petits défauts. Dans les champs, on les voit pas en survol, mais il y a beaucoup de bosses dans les champs. Quand on
Il y a ce coin-là qui a de l'eau. Le champ-là, il y a une partie. Il y a un coin qu'on peut pas semer à cause de l'eau. Mais en tant que tel, c'est une belle map. Merci beaucoup. Puis à la prochaine.